Ok. Ça m'étonnerait pas que j'ai mis ça en tout cas. Bon mec, leur compo est chiante. Mais alors, leur compo est chiante, fais-moi voir. Ils ont une compo, effectivement. Ils ont l'air d'avoir une compo. Après, la note, mec, techniquement, on joue bien. Genre, imaginons, tout le monde joue bien la game, ok. Mais on a pas de on gagne. Ouais, mais je pense qu'on a pas besoin de frontlane. Dans le sens où t'as Nautilus qui peut juste arriver, mettre un R sur un catch. Les adversaires vont vouloir fight. Si tu mets un bon R, je mets des bonnes bombes, on peut tomber le teamfight pour Tryndamere et Vayne. Alors... Kassadin, ça me fait toujours peur. Hein. Je vais répondre à Panin, tu nous dis... Viens et toi, ça va nickel. On est avec Gil, on va se poser tranquillement sur un petit peu de LoL. Toi, t'as prévu de jouer tout l'après-midi ou pas? Moi? Ouais. Oui, je pense, j'ai rien à faire. Est-ce que je t'ai déjà parlé de SMC, mec? Ou pas encore? Oui, mec, je t'ai déjà dit que j'aimais pas mapper. Ouais bon, si c'est 10 minutes de mapping pour ensuite jouer des maps stylées, c'est cool. Des mecs qui savent pas mapper en 10 minutes, je suis pas sûr que ça donne des maps stylées. Hein. Mec, je te jure que toi t'as jamais regardé les SMC. Demande à Nerdy si les maps sont pas stylées. A chaque fois il y a des maps de fou. Mais ouais, je peux avoir Gim en SMC. Mais tu sais que Nerdist, Gim il est trop fort en Attack Mania, il adore en plus. Mais le truc c'est quand même mapper, c'est pas trop son truc. Franchement, je suis pas trop fort mais j'adore. Mamma, le trade qui prend le Kassadin. Nickel la start là. Kim, ça se voit qu'il a des avis arrêtés de ouf. Quelle méchanceté. Mais en vrai, par contre, les SMC, mec, t'as vraiment jamais regardé, je pense. Les maps sont... Non, j'ai mal. Trop cool. En fait, vu qu'on est un peu naze et qu'on a que 10 minutes, à chaque fois, il y a une map à thème. Genre, par exemple, j'ai fait une map en mode, il y avait 20 CP, il fallait trouver le meilleur chemin. J'ai fait une map en fait le seul obstacle c'est au tout début essayer de gérer les un no volant, tu sais, genre le fait que tu puisses pas tourner. Et après bah, le reste de la map c'est tout droit, tu vois, enfin c'est pas tout droit mais c'est easy quoi. Et genre il y a pas mal de trucs comme ça, ça vaut trop trop le coup. Il y en a des incroyables, ouais, il y a clairement des maps en SMC qui sont trop folles. Diable, la bot lane. Moi j'ai pas joué ma mid lane, ouais, vraiment. Faudrait que je teste une fois, ouais. Bah, au moins que tu, à mon avis, check un replay, tu vois, juste pour te rendre compte de ce que c'est. Effectivement, ta première map, ça sera du tout droit, ça sera de la merde et tout, mais on s'en fout. Ah, y'a une mid. J'ai flash instant. Jouons safe, soyons safe. Et bon, il en repart sur moi, du coup. Pas si mal. Ouais, faudrait qu'on arrive à casser la gueule et casser avant qu'il soit 6, mais... Oui, mais en même temps, imagine on le fait pas. Bah si on a fait casser dans ce kill, c'est chiant quoi. En fait, ouais, c'est vrai par contre, ce qui est cool, c'est que avec Zilead, je peux le slow et te speed et du coup, bah normalement, le gap close est déjà fait quoi. Ah, je me fais casser la gueule là un peu. T'es là ou pas? Ah ouais, j'arrive. J'ai pas mon dash. Ok, tu veux quoi? Tu veux que je te speed? On fait quoi? Oh, y'a rien à faire, je pense. Juste les golems, il est trop loin. Non, c'est marrant parce que Red il est quasiment mort. Je tente pas le flash in, mais j'ai envie. Du coup, je push la wave et il va back. Je push le creep. La flash. Bien joué, mon bro. Prends des creeps en vrai. Nunu il est par là. N'hésite pas à te servir. En fait il va TP là, je suis chiant. Ouais c'est pour ça. J'aimerais bien que tu prennes un peu. Fais le gros. Tu es un amour mon bro. Allez, va donc faire ta jungle. Mais mon golem. Ami. Je vais pouvoir les bots, ils ont une grosse wave. Nickel. Messi au PSG, OMG, ça y est c'est officiel? Pas trop les infos, moi, de l'officialité de cette chose. Ouais, il y avait une conférence de presse ce matin, mais je suis pas sûr qu'il ait annoncé comme ça. J'ai vu un tweet comme quoi Messi pleurait, mais j'ai pas la vidéo encore. Donc si quelqu'un a la vidéo... Il était en conférence de presse ce matin pour son départ. Ah, c'était pour son départ? Ouais. Ok, donc ça, il part du PSG, c'est... Enfin, du Barça, c'est... Ouais, du Barça, ouais, ça... C'est triste. Son père va au PSG parler du contrat. Ok. Son père, son agent.
trop nul. Je te flash locate. Je viens de prendre un trade gratuit juste parce que de frustration. Oh la vie, il y a tellement troll. Elle a chase de la bot lane jusqu'à la mid lane. Genre. Mais attends, mais il va me tuer ce, cette espèce de gros abruti. Non, je viens de faire des très mauvais trades. Tu là. Back, vas-y. Ouais. Ok, je back pas, je back pas, je back pas si tu veux. C'est compliqué quand même, mais. Je peux tenter une double bombe et si elle passe, on voit. Ah, il est loin, non? Ah, ça aurait été nice. Ouais, c'est pas il bat, c'est juste troll. Oh, oh, il va tuer une aussi, celui-là. Merde. En vrai, t'as fait du... C'est pas que son shield, le shield de son XP, enfin, je savais qu'il allait le faire, mais je pensais pas qu'il allait tanker autant. Ouais, elle a survécu à pas grand-chose. Donc une auto. Ah, je suis dégueu. Ça arrive. Mais de toute façon, mec, je pense vraiment que la possibilité qu'il aura à rentrer dedans en teamfight à la fin sera bien plus dure à faire que la note. Donc s'il le fait, c'est qu'il aura mérité, tu vois, un peu. Je vais partir gel éternel en plus pour essayer de le contrôler au maximum. Après, je pourrais partir full sup. Il a son outil. Oh là là. Ouais. Je sais pas s'il s'est pas fait silence, non? Il a été juste ridicule. Ah, donc Diana en vie. Mm-hmm. Je vois. Bah, c'est ta faute, mec. Hein. C'est ta faute, mec. Je vois vraiment pas comment ça peut être autrement. Hein. Il a perdu sa lane en 1v1. Comment ça peut être pas de ta faute, en fait? Ok. Elle est morte. La win peut donc pas venir. Game fait régène, c'est cool. Oui. Pas dégueu ça. Ah, je peux pas faire plus ça. Ah. Le tue, ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est pas mal hein, ce qui vient de se faire là. Ce qui vient d'être fait, c'est pas dégueu. Hein. Un allié a été tué. Ah, elle est parfaite. C'est trop. Allez, fais le slash Myotol avec moi. T'en fais un faux en vrai. Tu le joues Ubu ou Kari le Zilean? Je vais le jouer Gel Éternel first et après en fonction. Je pense vu qu'on a pas trop de dégâts AP en dehors de moi, je pense que je vais jouer un peu Kari. Ah quoique il y a Diana. Mmh. Ouais je vais sûrement jouer un peu Ubu alors. Mais très vite fais le Ubu. Genre faut le dire vite tu vois, c'est Ubu. Oula. Mais c'est stylé son champion là, dis donc. Ah, j'avais pas les infos que c'était à ce point-là, Kassadin. Oui. C'est assez XD comme champion, finalement. Heureusement, Zilean est assez XD au niveau du farming aussi, une fois que t'as un peu d'AP. Oh, il reste dans les creeps pour que ça push. Mama, quelle gentillesse. Ça y est, j'ai mon R qui est de retour, je ne peux plus me faire surprendre normalement. Si je meurs, c'est que mécaniquement je suis moins bon que mon adversaire. Auquel cas, j'accepte de mourir. Si tu veux une info, sache qu'il a plus de vie et plus de... Oh, il était pas loin de m'avoir quand même. 2 R les gars, 2 R juste en fait. Oh j'aurais pu te faire monter de l'XP mais il fallait que je bague donc désolé, on fera ça plus tard. On se capte, on se met un petit phone call pour que je te fasse passer d'un niveau si tu veux. En tout cas ouais, si t'as pas fait le Mewtwo, n'hésite pas à le faire maintenant, la game est vraiment jouable. Je pense que tout le monde est un peu tilté parce qu'ils perdent leur lane en... Ouais je sais que tu joues mais voilà c'est en mode...
Pas de... J'ai juste mis le truc nord. Je TP en fait. J'ai hésité longtemps, mais je crois que je dois TP. Ok, fais pas chier, Kassada. Eh, hey, il fait des dégâts. Je vais partir Banshee, second item, histoire d'être vraiment safe, je pense. Je vais faire un unkillable Zilean. Il décale. Je suis désolé, je risque d'avoir un peu de mal à décale. Il faut que j'attende d'avoir des spells, donc ça. Je vais t'acheter un creep si je peux. C'est dur, hein. Ok, c'est ward par là, du coup. Ok, j'ai pas mon dash. J'ai pas envie de jouer avec toi, t'inquiète, pas sur ce move. Là, ce qui serait stylé, c'est qu'il revienne sur moi et que j'ai mon R. Ah merde, j'ai un peu... Il m'a un peu bait, bien joué lui. Je back du coup. Et bah du coup, je back. Bien joué de sa part, mal joué de la mienne. Je vais avoir une pink, je vais essayer de la placer, de te mettre bien. Ah. Bon après c'est normal que Caitlyn gagne Vayne en early, je pense, en termes de range, c'est pas choquant. En plus avec... avec retard et vu le move qu'il vient de faire. Ça rassure pas pour la suite. Quoi. Ouais. Laisse la wave comme ça. Ça rassure pas forcément pour la suite, effectivement. Bah écoute, je vais... c'est que je me dis quand même que... Elle va pop-off à un moment, tu vois. Mais si ce moment, c'est à 40 minutes, il faudra quand même que j'ai un peu d'AP pour tenir le fight, quoi. Joto ? Bien joué. Ouais, j'ai hésité, j'étais en mode est-ce que ça vaut vraiment le coup et je pense que ça valait le coup. Nice. Solo kill. Zilean solo kill. De rien. C'est marrant quand même. GG, merci beaucoup Nerdiste, c'est gentil. Mon adversaire direct TP. Pratique la téléportation. Se déplace de manière instantanée. Quel perso de con quand même Kassada vraiment. Je tente des tris de temps en temps. Ok, j'ai gel éternel qui tombe. Unibot, il Drake. Il y a Drake. Ah putain, bon, je suis en train de back, c'est un peu tard du coup, mais bon. Je vais faire des bottes de lucidité. C'est assez rare que je fasse ça, mais je pense que ça peut être pas mal dans ce game. Ok, nice try. Je peux te faire passer niveau 9, toi. Ouais, il est râle. Ouais. On devrait pouvoir défendre. J'ai mon R, tu paniques pas. Je vais prendre l'agression au dernier moment. Bien joué. Merci. On a pris des morts, bien sûr. Oui, mais c'est pas grave. Au pire, on peut laisser un dragon de plus, mais pas les suivants, quoi. Je vais venir t'aider. Je peux te mettre la ping dedans, si tu veux. Il est au HP, on peut le faire. Ouais, s'il arrive, je te speed et on collapse sur lui, ok. Nu, quoi, comme style, bon. Tu penses qu'il va flash in? Alors attends, ralentis un peu le DPS. Ok, c'est bon. Bien joué, mon bro. C'est super ce que tu fais, Gim. Je fais des grosses frites maison. Bah écoute, régale-toi bien, mon petit nerdiste. Moi, c'est Estelle qui est en train de faire des sushis. Donc peut-être que j'aurai des sushis tout à l'heure, peut-être pas. Ça va dépendre. Je lui ai demandé si elle m'en faisait, elle m'a dit ça va dépendre. Je lui ai dit de quoi? Elle m'a dit de si nerdiste si est gentil dans le chat. J'ai fait ah. Non, elle a jamais dit ça, je mens pour le clout. Bon mec, je suis turbo big. Je fais full sécurité là. Oh, il va dire, hey, call le SS mid laner bro. Et je vais pas elle le savoir. Pas vu, parce hein, que... La Gwyn sur la Lulu, elle a pas vu Lulu. Hein, la Gwyn sur la Lux, genre, c'est très grave. Aïe. Oh, calme. Il y a R. Oh, en botlane, il y a R, on a personne. Il y a pas d'équipe. Tu penses que les adversaires ils sont en train de chanter Amigo, y'a rien en face.
connais pas mec, mais je pense oui. J'avais un collègue au volley, mais t'es que ça. À chaque fois qu'on gagnait un match dans le vestiaire, enfin qu'on gagnait un match à l'extérieur, ok, dans le vestiaire, le mec mettait amigo, y a rien en face. Amigo, y a rien en face. La musique trop bien quoi. Grâce au jutsu de Myotol, exactement. C'est un jutsu de bien avancé, hein, utilisé par les genin du village de la feuille. Flash que ça donne. Nice ça. Je vais commencer à arriver du coup. J'imagine qu'il a son ulti encore donc je me casse. Il a pu. Je vais Zhonya. Wow, c'est pas mal comme on y va tous les uns après les autres là comme ça. Ok, on va peut-être laisser tomber. Okay. Pas trop mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Botlane il meurt. En fait, c'est insupportable, j'aurais compris que mourir en 2v2. Il a pas de TP le jeu? Non, c'est impossible qu'il ait TP. Comment il a récupéré autant de vie de mana? Ah, mais il a raid des blue buffs. Après, ils sont sûrement tiltés, écoute. Hein. On peut pas lutter contre le tilt, hein, malheureusement. Juste, jouons du mieux possible et attendons. Hein. Il faut que je te dise quelque chose par rapport à mon avenir que tu as beaucoup influencé. Bah vas-y, dis-moi Nerdiste. Dis-moi, dis-moi. J'espère que c'est positif en tout cas. Solo kill. Solo kill. Une fois de plus. Pareil. Tu veux venir? Ouais, allez voir. Bien joué mon bro. Ah non, j'ai raté un creep. Plus. C'est bien que tu sois fit. Toi et moi, on va faire beaucoup de dégâts. Et les dégâts des autres, ouais, naturellement... On pourra pas tuer Shogat sans Vayne, en fait. Ouais, je suis persuadé qu'à un moment, elle va pop-off. J'en suis sûr. Je peux pas croire l'inverse. C'est beau, mec. Je ne peux pas croire l'inverse. Je suis persuadé qu'au moment, elle se dira oh, « Finalement, mon équipe n'était peut-être pas que des pleutres. Je suis capable de me remettre en question. C'était peut-être de ma faute l'early game. Je n'aurais pas dû ping le jungle. » Peut-être qu'elle se dira ça, ok. Et elle va être en mode full shonen. Et en fait, du coup, on va gagner. Le Chili se joue. Joue. Déplace-toi. Utilise tes mains. Mais ça fait tes sorts. Oh, mais sur elle en fait. Y'a Drake qui up. Ouais. Ça aurait été bien que je garde un peu de présence sur ma mid lane, tout de même. Histoire de l'empêcher de récupérer cette T1 et de ne pas avoir la priorité pour le dragonné qui arrive. Le pop-off. Ça fait mal par contre. Voilà, c'est très grave. Mais il se fout de ma gueule. Allez, tuez-la. Oui, merci. Il is footing de ma gueule. On les aide, ça se passe bien. Parfait. Pouvez faire le Drake. Non, ils veulent pas. Drake, please. Vayne and Not. C'est vrai que ça serait maintenant. Ouais, on a foutre, ça me dégoûte. Non, non, ils vont venir. Ils sont un peu lents, mais ça... Faire gaffe à la TP de Kassadin. Faut y faire gaffe. Eh, hey, back! Ah oui, non. Il y a tapis Kassadin, vous devez cancel. Hein. C'est tout à fait ok, hein, malgré tout. Le problème, c'est qu'il récupère le dragon. Ah, c'est bien, un Tryndamere qui commence à tuer, voilà, le début de la partie va commencer à se jouer finalement. On n'y croyait pas, mais finalement. Alors peut-être, comme disent
comme disent les commentateurs d'athlétisme, alors peut-être. Il n'y aura pas de médaille pour le 4x4 français, mais la Britannique est tout de même en train de craquer. Je le fais très mal, hein. Ouais, ouais, je le fais plus mal, je pense. Et Mercure, c'est bien, bien joué, non ? Bien vu de sa part. Qui ça, la Caitlyn ? Ouais. La pute. Pourquoi elle a fait ça ? Bah, Chrono Chili, c'est toi. Mais là, oh, la réponse premier degré de ouf. Oui, bah, vraiment bien, le red buff là, il est pour moi, frérot. Moi, je laisse toutes les ressources à Vayne maintenant. Si elle vient sur ma lane, je suis sa oubou pute. C'est comme une oubou girl, mais sauf que je suis sa pute. Genre, elle peut me dire danse, je danse, tu vois. Oui. Danse for me, bark, bark, tu vois, clairement. Ni plus, ni moins que du bark de mon côté. Pas ça à récupérer là ? Non, moche. Alors là, il y a peut-être un free kill qui se profile. Ah. Il y a Trindamer au-dessus. Shogat top. Là, c'est juste un go-in. J'arrive, hein. Juste sur leur dos. Juste pas chavoyer. Ok. Ah, t'es plus casse de couilles. Ouais, c'est ok. Merci mon bro. Cassandre derrière. Il est pas mort ? Non, il était pas là, il était pas là. À mon avis, je manquais d'escape là-dessus. Ouais. Bah le truc c'est que là, malheureusement, je fais un teamfight qui est absolument pixel et je peux pas faire beaucoup plus, quoi. Ouais, est-ce qu'on peut encore tuer Chauvet et Lumière sur la team ? Bah, pour l'instant non, et en plus de ça, surtout, on perd Trindamer parce qu'il joue pas très bien, je trouve, et Vayne parce que c'est Vayne et que Go-in alors que... Ouais, elle a voulu finir Lunu et elle a fin de la tuer, mais du coup... Ouais, c'était un peu greedy de sa part, je vais pas lui en vouloir, genre elle a fait un choix, je pense que concrètement c'était pas le bon, mais c'était difficile de faire le bon choix, quoi. Par contre, tu es très pixel là, ouais, Nardis, je suis assez content, mais mon Zilan, j'ai toute confiance en lui, vraiment, hein. Bah de toute façon quand je solo kill du Kassadin, c'est déjà que le mec est pas très bon, mais en plus de ça que moi-même je me sens bien, quoi. Ah, je pensais pas qu'il y avait déjà son ulti. My bad. Mec, pas de soucis. Faire un showdown sur Vayne, c'est pas si mal. Personne qui veut récupérer ses juicy kills. Si mec, le juicy vient de grave le mur là, t'inquiète, s'il arrive. Flash Lux. C'est déjà bien, Flash Lux, on va prendre. Je meurs là ? Tiens, si tu veux jouer, toi, n'hésite pas à prendre ce speed up. Encore. Le truc, c'est que mon E est pas encore très monté, donc c'est relou. Trindamer top qui se fait casser la gueulasse. Il n'a plus de R, il faudrait pas qu'il reste. Il a R, alors qu'il est foulé, blaze là. Ah, il est. Ah bah non, ah bah non, 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 non. Je vais pas m'énerver sur eux, mais par contre, le je pue ma mère, donc je demande le surin, c'est non. C'est non, c'est interdit, cancel, le move est interdit. J'ai pas oublié ce que je veux dire, j'attends vraiment d'être posé. T'inquiète, y'a pas de souci. Pour t'écouter de la réponse, mais tu m'as surtout dit que ça allait changer un truc dans ta vie, mais y'a pas spécialement de réponse pour l'instant qui a l'air d'être induite, hein. On verra bien. Nice. Suite, j'ai raté un truc. Can't Killian the Zillian, les bro. You cannot kill the Zillian. Allez, Nautilus, joue avec tes sorts là. Oui mon bro, oui mon bro.
Oui, mon bon Guim. Ah, à mon avis, ça va être un peu greedy ce que tu vas me tenter. Non, surtout que j'ai pas de R. C'est bon. Et non, le petit Solari plus ton shield. Let's go. Ça serait bien de pas fight en ça, effet. Si on recule, c'est bien. On prend un télétop. On 3 Drake malheureusement. On va le laisser hein. Écoute, compliqué de faire plus hein. Cassana il nous a accompagné jusqu'à chez nous, c'était très gentil de sa part, très urbain. Ah j'ai eu le gros creep, ouais, c'est vraiment un boulet. Il manque quelques golds là, ouais, c'est chiant. Vas-y, il manque 50. Tu vas attendre tranquillement. What? Si Vayne meurt, je FF. FF. La copie, ça ne mourrait pas. FF. Partie suivante. Vite. Fast Furunder. FF. C'est quoi déjà finish déjà? C'est quoi c'est? C'est quoi? C'est quoi déjà FF? Finish fast. Finish fast, hein, parce que Fast Furunder là vraiment, c'est comme ça qu'il faut le dire. J'ai envie de tout casser, vraiment, son niveau là, pour le coup, je me suis pas énervé jusqu'à maintenant, je suis en mode peut-être que, mais là, quand même, t'es au moment dans ta game où t'as envie de jouer Vayne. Ouais, les trois sont à chier, vraiment. Non mais ouais, mais tu piques Vayne pour ce moment-là dans ta game, ça me fait chier que quand t'arrives à ce moment-là, bah tu joues pas en fait. C'est quand même cringe, imagine, c'est comme tu piques Cassio, ok, et tu flash une seule dans trois personnes, en clash quoi, enfin, à un moment. Bro, tu flash Come une on, bro. Tu flash une R, ok. Et par manque de peau. Oh, je la fais passer niveau 14, mais là elle va me séguer, hein, tout simplement. Oh, elle va me proposer une sec des plus qualitatives, je pense. J'ai envie de l'insulter, mais tranquille. Qui ça? La Vayne. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a plus. Les corbins, mec. Oh, mais mec, c'est bien, donne-lui des ressources. Que non, frère, elle est trop nulle pour lui donner des ressources, hein. Et justement, peut-être qu'avec plus de ressources que nécessaire, elle deviendra potable. Bah non, ça va pas lui faire pousser des bras. Hein. Non, ça va pas lui faire pousser des bras. Elle les utilisera pas à 100%, mais si elle utilise qu'à 70% ses ressources, ok, eh ben autant lui donner 130% qu'elle est quasiment tout, tu vois. Alors tu me diras, mon 30%, là, je sais, les gars, mathématiquement, j'ai pas correct. Je comprends. Je comprends le raisonnement, même si je suis pas d'accord, mec. Ouais. Je vois, du coup. C'est bien, là, ce qui se passe, c'est bien. Cette game est à nous. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Tu peux pas t'acheter sur toi, là? Ouh là là, Lux, tu es très vilaine, tu lances des sorts en étant caché. C'est très mesquin de faire ça. Et plus ulti Vladimir? Cassadin, je sais pas pourquoi j'ai dit. Plus d'ulti Vladimir, du coup. Ma, les infos. De rien. On a le baron, mais on pourra en faire parce qu'on est deux. Dommage. Là, genre, en vrai, je suis niveau 16, je fais mal, là. Ah ouais, je m'en doute pas un instant. La quête est la petite idée pour lui sauver le cul, quoi. Non, il va mourir au top. Faut aller top, fast. Il est utile, là. D'accord. Ah, il peut faire ça. Il peut watch les tourelles, tout, là. Il joue le Shogat AD, lui. Okay. Arrive, hein. Merde. Cancel. Je vais être un peu loin, du coup je viens de gâcher des spells pour toi. C'est une union, oui. Il en fait vite. Ah, je pense qu'il est voulu manger chez Zonia, du coup. C'est bien ce que ça fait, mec. C'est un Zonia safe. Oui, tu perds 2 minutes de CD, mais tu donnes pas un kill important et tu restes en vie. Bien joué. Le couche. Tu as fait un play. Ils peuvent rien faire. Hein. Ça n'est pas là en plus. Ouais, mais du coup on va juste push. Hein. Zilean, c'est vraiment cheaté, mec. Je trouve ça vraiment turbo broken en vérité. Quand t'as deux carries, et encore, je te comptais pas dans les carries, mais bon, vu ton niveau, évidemment, je vais te compter dans les carries. Genre, c'est abusé, quoi. Arrêtez, monsieur. Monsieur, arrêtez, non, je suis totu rouge. Ah oui, non, mais Trindamer, il est. Ah.
On avait une qui tape, du coup on gagne, truc de ouf. Mec, il suffisait qu'elle pop off 2 minutes dans la game. Il suffisait qu'elle prenne un corbin. Hein. Finalement. Finalement, est-ce que c'est pas ça la différence? J'ai pas de R bro, parce que j'ai pas le mana, ça te fait rire ou pas? Bah GG. Focus la base, le bâtiment. GG. Je t'avais annoncé mec que c'était free win. Et bâtiment. Pourtant, ils ont aucun bras. C'est-à-dire que le cumul des bras de notre team, c'est difficilement 5. C'est difficilement 5, ok? Genre 2 pour moi, 2 pour toi, et on va dire difficilement 1 pour les 3 autres. Mais ce qui compte dans la vie, c'est de croire en l'amitié, de croire en Popov de Vayne. Bon, ça c'était dur à croire quand même, mais quand même. Moult félicitations, mec. J'ai toi aussi. Ouais, j'ai été sacrément pixel. Oh, je levais la pas plus, incroyable. Eh hey, mec, 3 honneurs actuellement. J'ai eu GG cœur de 3 personnes. Bah, de rien. Attends, quoi? Il y a quelqu'un qui a dit The Mid Diff, je suis parti! Évidemment. The Mid Diff with Honors. C'est nul, qui a dit ça. Ok. Et le Cassavin qui répond. Nunu, lowest damage in the game that shows how useless he was. Il est trop con. D'accord, donc top laner AD, mid laner full dégâts, ADC, support luxe, donc pas spécialement utilitaire. Nunu a moins de dégâts de la team. Allez, si il a moins que Totilus, on peut discuter, mais... Alors, je vais juste lire ce qu'a dit Nerdy, ça a l'air intéressant. Vu ce que tu as dit sur et tout sur ton parcours, je réfléchis vraiment à faire un DUT info comme toi, mais bon, c'est dans 3 ans. Mais voilà, tu penses quoi? C'est quand même un truc qui ouvre beaucoup de voix, surtout qu'il y a beaucoup de tes potes qui ont fait ça aussi. Donc voilà, si tu as des retours en sachant que bon, c'est dans 3 ans, mais j'y réfléchis pas mal. Pour moi, le DUT, qu'il soit informatique ou pas, c'est le moyen de rentrer dans la vie des études le plus facilement. Ok, c'est un cheat code le DUT, je t'explique. La fac, t'es lâché dans quelque chose qui... est reconnu par l'État, mais quand tu viens de la fac, tu débloques des grilles salariales qui sont moins bonnes dans les entreprises. Ensuite, le DUT Info, du coup, te permet de faire 2 années d'études dans lesquelles tu es accompagné comme au lycée. Si comme moi et comme beaucoup de gens, le lycée, ça te va bien parce que tu as tes petits devoirs, tu as tes petites notes en contrôle continu, de temps en temps, tu as des examens, genre le bac, quoi, anecdotique, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout parce que du coup, le DUT, il t'accompagne complètement. Les professeurs, très souvent, aiment ce qu'ils font. Ce sont souvent soit des mecs qui sont à 2 ans de la retraite, soit des très jeunes. Il n'y a pas d'entre-deux. T'as pas de mecs de 40 ans qui sont un peu perdus, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément... Forcément, soit c'est des mecs un peu relous parce qu'ils sont vieillots. Non, mais même les mecs de 40 ans, généralement, sont cool. Et les jeunes... Nous, en tout cas, des mecs cool qu'on a eu. C'est ça. Et les mecs... jeunes souvent sont adaptés dans l'univers dans lequel on est, c'est-à-dire qu'ils connaissent les réseaux. Quand tu fais de l'informatique, bah naturellement la moitié des diapos des mecs jeunes contiennent des mèmes, etc. parce que c'est ça. Donc tu vas être accompagné. Le DUT c'est relativement l'assurance de pas avoir une classe non plus de fac où t'es 400. Tu vois, le DUT c'est le moyen d'être sûr d'avoir une classe qui va te suivre pendant un an, ok. Et ce du coup avec une trentaine de personnes, donc t'es vraiment comme au lycée. Donc c'est vraiment à ce niveau-là un cheat code. Je vais relancer la game, c'est bon pour toi? Oui, moi je suis prêt. En plus d'être un cheat code au niveau du coup de l'accompagnement et du fait que c'est comme le lycée, le DUT il t'offre ce que tu veux. Parce qu'après un DUT, tu peux avoir une licence, tu peux commencer à travailler à Bac plus 3. En vérité, tu peux travailler à Bac plus 2 avec DUT, c'est pas ce que je recommande, mais tu peux. Donc la licence elle est intéressante parce qu'elle peut te professionnaliser en un an et du coup te faire comprendre que ton DUT tu l'as pas fait pour rien. Et ensuite, tu peux aussi te dire qu'après ta licence, tu peux faire un master. Si c'est pas une licence professionnalisante que t'as fait, tu peux aller effectivement en master. Tu peux faire bac plus 5 et débouler même avec bac plus 7 après si tu veux faire une thèse. Donc rien n'est fermé avec un DUT. Les avantages que t'as en plus de ça, c'est que tu as de l'ouverture d'esprit en DUT. En DUT, moi j'en ai fait 2. J'ai fait le GE2I, donc génie électrique informatique industrielle. J'ai fait 6 mois. Donc dans laquelle j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert plein de trucs sur l'électrique, de l'informatique industrielle. J'ai découvert des trucs sur trop de choses, mais c'était il y a 5 ans, donc je vais peut-être pas me rappeler de tout. Mais t'as plein de matières que tu découvres, et le but c'est pas d'être fort quelque part. Genre quand tu fais des mathématiques au lycée, ce qui est chiant c'est qu'on te fait faire des mathématiques. Et t'es en mode, ouais ok, mathématiques. Moi j'aime bien les maths. Ce que j'aime beaucoup en DUT, c'est que la matière, quand on te la présente, on va pas te dire « Voilà, je vais te faire faire des maths », on va te dire « Je vais te faire faire une partie des maths, ça va être une matière, tu vas la découvrir, ok ?»
bien. Et genre, tu vas être capable d'appréhender ça plus tard. Je te donne un exemple. Quand tu fais arriver en DUT, tu vas pas faire du C++ ou du codage ou un truc très, très compliqué. Non, tu vas faire une initiation au codage, ok, dans lequel tu vas découvrir un peu tous les langages, un peu toutes leurs fonctionnalités, leurs spécificités. Du coup, tu vas découvrir des classes, tu vas découvrir des... de la programmation orientée objet. Tu vas découvrir des grands thèmes, ok. Mais en clair, c'est comme si on me disait, voilà, je vais te faire faire du sport, je te fais faire les jambes, les bras, le corps, mais je te fais pas faire du foot spécifiquement, je te fais faire un peu de tout. Et toi, si après avec tes jambes tu veux t'en servir pour faire des foot, t'as le droit. Et à ce moment-là, tu iras vers un club de foot, et ben c'est un peu ça avec le DUT, c'est je te présente tout, et plus tard, tu peux te spécialiser dans quelque chose, ok. Et du coup, vu que t'as déjà appris à découvrir, avec le DUT, t'as tout. C'est pour ça que c'est un cheat code. Moi, en informatique, je vais être très clair avec toi. Hein. J'ai passé mon DUT informatique, je déteste ça. Ok, je n'aime pas ça, mais je vois comment ça marche à peu près. J'en ai pas fait, je suis nul en informatique, mais vu qu'il y a en plus de ça des matières de cursus classiques, anglais, mathématiques, d'autres trucs, et que même la majorité des choses compliquées, c'est des trucs de groupe, tu peux t'en sortir. Tu vois, moi clairement, je suis une grosse fraude, ok, je suis finito, Harry, plus ratio, mais pourtant j'ai passé un DUT info. Te spécifier, non c'est pas ça que je veux dire, te spécialiser. Tu peux te spécialiser, c'est ça que je voulais dire, je l'ai bien dit je crois. C'est trop cool parce que j'aime pas l'idée d'être 500 et pas de petits groupes. Donc vraiment, le DUT, moi je recommande de ouf, ouf, ouf. Je recommande de ouf. Après, ce qui est intéressant en plus, c'est que les DUT, donc informatique, c'est très large. GE2I, c'est très large. À chaque fois, c'est très large et ça va débouler sur plein de métiers. Les gens adorent ceux qui viennent de DUT. Parce que forcément, t'es déjà un peu dans la technique. Et en plus de ça, tu aimes apprendre. Tu vois, donc généralement, t'es un bon plan si tu viens d'un DUT. Et du coup, tu as en plus de ça des... Ouais, non mais tu peux être une fraude, ça, y a pas de souci. Non mais je suis une fraude, moi, y a aucun problème. Mais ce qui est bien, c'est qu'en étant une fraude, t'es quand même prêt à t'adapter. Généralement, les DUT, c'est tu vas développer de l'adaptation, quoi. C'est adaptabilité, pardon. Mais c'est beaucoup moins théorique que la fac, quoi. C'est ça. Donc moi, j'aime bien. T'as vraiment ce côté où tu touches à ce que tu fais, clairement. Donc j'espère que tu fais pas des enfants parce que sinon c'est chiant. Et surtout tu as plusieurs DUT différents et du coup n'hésite pas à te renseigner un peu sur ce qu'il y a parce qu'il y a l'informatique, mais ça se trouve tu vas kiffer faire un truc génie électrique, ça se trouve tu vas kiffer faire un truc DUT, c'était quoi le nom, scientifique, je sais plus ce que c'était, pas science et vie de la terre, mais je sais pas, laboratoire, j'ai plus le nom, mais t'as plein de DUT différents, il y a forcément un qui va t'intéresser. First time action top. Play your best. And mute. Ouais, c'est le DCT, tout ça. Je vais pas mettre la game. Oh, ça me casse du coup. I will just play yes your first time. Play your best. C'est juste un dodge la game, hein. Pas forcément, bro. Genre, t'as vu ce qui s'est passé avant? Les mecs qui avaient pas de bras. Là, la différence, c'est qu'ils vont faire des first time, mais si tu first time... Oui, mais ils sont en train de s'insulter dans les... Non. Enfin, bref, je rejoue. Si tu veux dodge, moi, ça me dérange pas, mais je pense que on n'est pas obligé. Et au pire, si on perd 15 LP, on aura fait notre mieux. Ok. Franchement j'aime beaucoup. Et les horaires et tout, c'est pas non plus trop. Tu as du temps pour toi, mec. Franchement les horaires de DUT, c'est encore mieux qu'au lycée. Vraiment c'est mieux qu'au lycée. J'avais plus de temps, etc. Pour te donner une idée. Moi j'étais posé j'étais posé au... Qu'on appelle ça? Merde, c'est quoi le nom de... À l'IUT. J'étais posé à l'IUT, ok, de Montpellier. Qui se trouve au nord de Montpellier. Moi, j'habitais en face, ok, donc t'avais une fac de médecine et juste derrière, t'avais des appartements. Entre le moment où je me réveillais et le moment où j'arrivais devant mon prof de maths, il y avait exactement 14 minutes, ok. Tu veux me couper la parole pour me dire quelque chose? Tu veux me dire quoi? Quoi? C'était la praline, détendue du bzez. Détendue de bz, pardon. Va voir en bas, si on a. On est bien, là. Est-ce que le truc que je suis en bas, il est ouvert 7 jours sur 7, j'en sais rien. Oh, quel plaisir. N'hésite pas à aller voir. La mangue est très fribourg. J'aime pas la mangue de toute façon.
La game pue. Proposer que des solutions, en fait. Bah, de rien, en fait, je suis juste le calme. La game pue, t'as dit ? Ouais. Bah, écoute. Joue de ton mieux. Si tu penses que la game pue vraiment, profite de ton early peut-être pour me mettre bien face à Z. Il y a moyen que je puisse le viol. Après, ça reste un match-up que j'ai beaucoup de mal à prendre et je pense que le jouer safe, ça peut être intéressant aussi. Je sais que j'ai pas fini ma phrase d'indice. Donc, voilà, il y avait 14 minutes entre le moment où je me levais et le moment où j'arrivais devant mon prof de maths, ok ? Et les horaires étaient genre, de temps en temps, tu peux commencer à 8h, je crois. Mais sinon, c'est relativement du 9-18 à peu près tout le temps. Avec, bah, t'as les temps de pause, t'as énormément de trous dans l'emploi du temps. T'as un peu la classique. T'as les semaines A, semaine B, je sais plus. Oui. T'as en plus de ça, t'as des cours, évidemment, parce que le but de l'IUT, c'est aussi de te professionnaliser vite fait. Donc, t'as des cours de droit, mec. Ah ouais ? Ouais, t'as vite fait des cours de droit, t'en as 4 ou 5 dans l'année. Personne n'y allait, ça m'était bien. Ouais, ça, c'était assez stylé. T'as des amphis, donc t'as un petit peu ce côté fac, mais t'en as pas tant que ça. Une fois que t'as fait les cours en amphi, bah tu vas faire des TD, et dans les TD, du coup, tout ce que t'as appris théoriquement, bah tu vas l'appliquer. Donc rien que pour ça, c'est stylé l'IUT. Parce qu'à la fac, t'as pas ça, et tu vas dans un truc professionnel. Ah oui, ma meuf, elle est en fac de bio, et elle a aussi beaucoup de TPT, tu vois. Ça peut être intéressant. Bah tu vois, je préfère faire un IUT bio, je pense, qu'une fac de bio, mais après, c'est chacun son truc. Parce que vraiment, l'IUT, c'est trop fort. Moi, à la fac, j'aurais fait un mois. Ah oui, c'est ça, c'est impossible. Du coup, l'IUT, t'as quand même cet accompagnement. Et là où je vais essayer de terminer un peu le propos, c'est que tu as des cours d'accompagnement personnel, tu as plein de choses différentes qui vont t'aider à... qui vont t'aider, toi, dans ta vie professionnelle, à vivre bien, quoi. Genre, t'auras déjà un petit peu vu des métiers, t'auras interviewé des trucs, il y aura vraiment plein de choses. Donc voilà, hésite pas à te renseigner au max. Ça me met vraiment bien, le mec qui parle à la Jump Select, et lui là qui commence à dire « You good, bro ?» Mais lui, dans la Jump Select, il disait rien, c'était Lieso qui parlait. Ouais, je sais, mais genre, un qui parle mal et lui qui dit « You good » là, comme ça. Est-ce que tu étais une fraude, toi, ou pas, en IUT ? Ou t'étais juste un pixel gay, ouais. Bon, j'étais fine. Ouais, moi j'aimais bien ce qu'on faisait, donc... Bah, je termine quand même 10ème de l'IUT, les gars, hein, mais juste, j'ai pas codé une ligne d'informatique, je crois. Si, il y a eu un examen écrit où j'étais obligé d'écrire des lignes sur le papier. Celui-là, j'ai dû faire un peu de lignes d'informatique. J'ai eu une bonne note, je crois, en plus. T'étais 10ème de la promo, à la fin ? À la fin, je suis 10ème sur 150, ouais. Ou 15ème, peut-être. Mais bref, je suis dans les 20 premiers, ouais, largement. Premier semestre, j'étais 30. Dernier semestre, j'étais 80. Par révision en somme partielle de l'année. Stylé. Ah oui, non, mais les partiels, clairement, j'ai jamais révisé non plus. Terrible. Mais c'est ça mon problème, j'ai jamais... Objectif, valider le diplôme avec 10, je m'en branle, le reste, c'est tout. Ah, tu parles de mon mémoire, alors on est d'accord. Vu que je savais que je voulais pas aller dans des écoles après, j'avais pas besoin de mon dossier. On est là. Je vois. En plus, nerdiste, si tu fais un IUT, et que le 34 dans ton nom, c'est vraiment... pour l'héros, l'UT de Montpellier est trop cool. Mais je dis pas... C'est quand même dégueulasse, mais... Puis, bah, c'est un gros... C'est le principe de l'UT, hein. Est-ce que tu t'es déjà fait carry pendant tes études ? Alors moi, très clairement, mon frérot, Thibaut, il s'appelait. Un collègue que j'ai rencontré. Ah, pute. Très timide. On est devenus hyper potes, on aimait relativement les mêmes choses. Il est trop fort en informatique, trop fort dans la vie, etc. Par contre, en termes de communication, c'était pas le meilleur. Par chance ! Moi, j'étais le meilleur en communication. On peut te dire, mon gars, que lui, il faisait des trucs. Moi, j'avais des idées, lui, il les réalisait. Et à la fin, je disais, hey, regardez ce qu'on a réalisé. Et les mecs étaient en mode, waouh, vous avez fait ça ? Je te donne une anecdote de Thibaut devant un prof qui fait, s'il vous plaît, faites que du HTML CSS. Thibaut fait un site internet HTML CSS. Il a une idée, il fait l'idée. Oh merde. Le prof fait putain, mais voilà, je vous avais dit de pas faire de JavaScript. Non, monsieur, c'est du HTML CSS. Le prof fait ah, ça c'est du HTML CSS. Thibaut fait oui, je vous jure. Le prof il rate Thibaut, il fait eh ben vous m'apprendrez. De rien. Y'a Z qui arrive, je suis en train d'arriver aussi. Mais j'en peux plus en fait. Tu m'étonnes.
Je crois qu'il y a une plage, j'avais encore une plage, je sais pas utiliser. C'est bien joué de sa part, écoute. Qu'est-ce qu'elle fait, Evelyn? Elle va tenter de me flash là? Là, t'as plus de flash, plus d'ignite. Ouais, bah. Quoi? C'est un peu ridicule les dégâts qu'il m'a mis là. Je suis à Paris, enfin, Essonne. 91 représente. T'as 3 ans à l'UT de Montpellier, ça sera incroyable ça. Oh, je viens d'avoir une idée de fou, mec. Je vais faire l'item anti-Z first. Le Zonia ? Ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai oblitéré le Z. A chaque fois qu'il voulait une DPS, je faisais le petit Zonia et à la fin, je le gagnais. Ouais, quand il est petit, tu projettes ton outil, qu'il arrive toujours dans ton dos. Ouais. Est-ce qu'il arrive face à toi ou quoi ? Non, il arrive effectivement face à moi, mais il y a quand même des mécaniques de Z pour le dodge. C'est un timing assez serré. La première fois, je me suis rendu compte que je pouvais faire ça, je l'ai testé, genre, legit, 2 minutes après avoir découvert qu'on pouvait le faire. C'est passé. Alors du coup, j'ai en fait la strat que je dis à Romain, c'est, mec, je vais flash sous tour, R derrière moi, et comme ça, au moins, le mec est sous tour stun. Et Romain fait, putain, c'est une idée de fou, mais le timing doit être serré, non ? 1 minute plus tard, mec, j'ai réussi. C'était vraiment trop drôle. Après, tu peux juste poser ton Z, du coup, il peut pas touch back, après t'as le temps. Donc. Ouais, c'est vrai que je peux faire ça. Mais il y a quand même des Z qui arrivent à se retourner. Faut que je le vois le mec, c'est ma chance. Ouais. Pardon ? Bah il a un sacré niveau le Z. Après j'ai monté mon R pendant le trade, du coup j'ai eu un peu de mal à gérer. T'as style le Drake ? Ouais mais je suis mort. Bah écoute job quand même mec, t'es trop chaud. Là, on est encore dans une game. Ah bah moi aussi, là je suis mort. Avec Lee Sin, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, je m'en suis bien sorti, c'est cool. J'ai une idée de stream de fou, mais je pense que ça existera jamais, mais il faut que je te raconte. Vas-y. Tu prends un mec, streamer, ok, qui aime bien ce qu'il fait. Et il part en faire du survivalisme. Et il fait des streams en permanence avec une régie derrière, donc il faut une régie, 3-4 caméras, etc. Et il fait du survivalisme en forêt. Parce qu'il y a les vidéos de survivalisme, mais tu rates plein de trucs où les mecs sont hors cam, peut-être il se passe des choses, tu vois, un peu triché, un peu machin. Oui. Ah, c'est pas de chance Z ça. Je le laisse. Du coup, voilà. Faire du survivalisme sur Twitch avec une régie qui gère. Imagine Domingo, il part une semaine en vacances, il doit vivre une semaine. Comme ça, on le voit chier. Bon, à la limite, il se fait des toilettes. Et moi, je suis pas trop fan de survivalisme, mais survivalisme, si je devais le faire devant des gens, je pense qu'il ferait bien. Non mais Nardis... Non c'est une honte ce jeu. Mec ton cri était tellement inspirant. Oh ça me dégoûte, ça peut faire mon R. Regarde du coup bien joué. J'arrive mais j'ai pas l'outil. Viens. Mais de rien en fait le V2. Bien joué. Je suis trop chaud mec, là Nerdist. Ok hier, ouais, il y a peut-être des choses à négocier, j'étais fatigué tout ça, mais là, je suis pas chaud aujourd'hui, avec mon Zilean et cette petite Cassio. Je suis désolé de pas être venu vers toi, si je remontais vers toi, ça me semblait trop évident les spells qu'il allait me lancer, je voulais pas qu'il me touche facilement. Oh, mais tu les as tués, c'est pas bien. Mais de rien ! Un beau cri, ah, j'avoue que j'ai bien crié. Mais j'ai bien joué le move, si tu veux me faire un petit clip là, Nerdist, je veux bien. Je t'ai dit le problème de setup, ça t'es une merde. Non, je peux pas te laisser dire des choses comme ça. Barbe, là. Ah, tu veux de l'aide? J'ai beaucoup de creep donc ça me fait chier mais... Ouais, je pense qu'il s'en va. Y'a Z qui arrive, fais attention à toi. Y'a Lune sur moi. Oh le bâtard, il savait que j'allais revenir, il est trop chaud. Y'a qui sur toi? Evelyn ici. Ah Evelyn, j'entendais Jean. Y'a Z qui a des cales. Je sais pas faire de clip DSL, y'a pas de soucis, t'inquiète.
vote. Non, bah, ils sont. Cartes, ouais, ça va, c'est autorisé. Ils ont le droit de mourir. Après, ils sont morts 8 fois en 2v2, donc ça change pas grand chose. Ah! Non, 8 fois, tu m'as fait peur, ça va, ils sont morts 6 fois en tout. C'est ok. Non. Ils arrivent sur moi? Je sais pas, sûrement. Top c'est, top c'est comment le action? C'est une assist, une mort, deux morts peut-être. Il se fait exterminer. Mmh. Ah, oui. Il a trop bien joué en vrai. Je suis fier de lui. Ça c'est mon bébou action. J'y crois à cette game, j'y crois. Après je suis en 3-1 et on a 5 kills. Mmh. Peut-être je devrais pas y croire, mais je vais y croire quand même. Moi personnellement j'y crois pas mec, mais je vais quand même essayer, promis. T'y croyais pas à celle d'avant non plus je crois, si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire. Exact. C'est parce que moi je crois en la beauté de... en l'âme humaine. Ça c'est parce que t'as pas fait cette game de LoL. Non justement, je pense que j'ai changé ma mentalité, j'en ai trop fait où j'y croyais pas. Genre je mutais tout, enfin je mutais pas et j'étais en mode putain comment c'est possible humainement d'en arriver là. En fait c'est pas si grave d'être humainement tilté, genre moi aussi je suis tilté très souvent. Bah de rien les gars, de rien. Ah pardon, Evelyn. Oui, pas, mais Evelyn bot, c'est bon. Oh, c'est tellement chiant. Est-ce que je vais dans la game, ça se passe mal là? Au moins t'essayes des choses. Ah bah ça sert à rien. Oui. Evelyn win. J'ai reculé instant, j'ai juste pris ma plaque. Mec, t'as eu un dragon, ok. Alors que t'es derrière, déjà ça nous offre un peu l'assurance du... Enfin, ça nous offre un début de late game. Ok, tu vas faire un moment un kick, exactement comme Vayne, tu vas pop off un kick, ce kick là, tu le vois ce kick? Qui va faire qu'Yasuo va ult 3 personnes? Bah moi je le vois très lucidement ce kick. Voilà. Du coup moi j'attends juste, je suis pas pressé, il suffit que tu mettes un kick à un moment, je dirais, mais mec, t'es pixel en fait! Tu vois? Moi je suis en train d'oblitérer le Z pour l'instant. Et le bleu si tu veux. Ça sera récupéré, mais j'ai deux waves à récupérer là. Donc je viendrai le chercher. On my way, sur mon chemin. Ah, par contre, le Yasuo qui revaut des golds, j'espère vraiment. Oh, attention. Ah, tu me l'as éloigné, le blue. Ouais, je vais top direct. C'est fine, j'ai survécu à Z là. Barre de top. Général. T'as besoin d'aide? Oui. J'arrive. Oh, oui. Il est top. Il va reset là, on est d'accord? Ouais, ouais, mais attends. Ouais, on peut voir. Compliqué, compliqué. Okay. Recule au max. Pourquoi le barn de one shot alors qu'il n'y a pas d'AP? Elle a pas de R. Je sais pas trop ce que c'est son R, si c'est bon je vois. Je me suis barré, désolé. Je peux pas faire plus. Bien joué mec. C'est de son ulti encore. Ça va, je joue bien, je joue très très bien quand même. C'est pas qu'ils étaient 5 top, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. On sait pas qu'ils étaient 5 au top. Mec, pourquoi tu t'excuses? Ça me donne 2 kills, une assist, c'est où? Ah, il suicide même le top leader, merci. Je pense qu'il a été frustré que j'ai pas réussi à prendre un kill et il a voulu intervenir. Je pense que c'est un gars qui aime bien jouer des kills, un peu comme Jordi, je pense. C'est un mec qui aime beaucoup se battre, Akshan.
C'est ok, ego mis de côté. Niveau monté. Partie suivante. Next game. Voilà, thank you. Je suis là, nice. Et voilà, 12 à 17, comment la game, je commence à y croire. Malheureusement pas d'ulti. C'est bon. Bah oui, c'est le bondage, c'est le bondage. Cuspel, aller-retour. Il est pas mort le pêche là. Non. Oh, il a son heal, dommage. Il a très bien joué parce qu'il l'a fait au bon moment. Faut savoir qu'il était mort et j'ai un peu... Ah ouais. T'as même pas regardé, genre t'as juste réappuyé, t'as attendu quoi. Ouais, j'ai appuyé, je me suis barré. Non. Oh, c'est terrible. Ouais, ça arrive, il joue bien. Le Z, vous êtes toujours bot. Peut-être barre de mid, mais je sais pas. Les autres sont en bot. C'est bon. Tour et demi de récupérer. Ouais, my job, Iris done. Y'a dragon dans une minute, mec. Je peux continuer à push mid si tu en as envie. Ah bah, si t'as pas besoin de back, vas-y. T'as besoin de back, back maintenant pour le Drake. Allez, vas-y, backon alors. J'ai pas besoin, mais ça va me donner un peu de CDR, ça va être bien, je pense. Après, je sais pas si je go CDR ou pas. Je pense que ça peut le faire de go volonté cosmique. Vu la game. Je suis trop triste pour toi. Jambe bro. Nice. Très nice en effet. J'arrive mid mais j'ai pas l'ulti. Pas de soucis. J'ai pas besoin d'ult là. Enfin, y'a besoin de rien. Je pense qu'il est mort bot, il va y avoir Twitch Evelyn sur lui. Après Twitch Evelyn sur lui, c'est-à-dire que... Ah, Z est là en tout cas. Evelyn trouvé. J'ai pas de VR pour fight, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il a R sur le... Le par du pixel. Oh non, ça va être ton petit du coup. Avec qui je sais pas comment. Oh! Il est trop fast au niveau des mechanics! Je fais beaucoup de dégâts, hein. Je fais vraiment beaucoup, beaucoup de ouais, dégâts. Je sais. Je vais être bien. Hein. Là, le plus gros problème, c'est que Yasuo, effectivement, est pas absolument fort dessus. Du coup, il a du mal à... Ah, mais... il a du mal à trouver son impact. Ça, c'est dommage. Oh, il est trop nul. Il est trop nul. I'll go top. En fait, c'est en vrai, bref. Calme. Calme, calme. 10 kills de retard, mais c'est bon. Style jouable. Ce qui est ouais, chiant, c'est que... Vraiment, nos alliés sont nuls, quoi. Ouais, mais la game d'avant, ils étaient pas plus forts, mec. Et à la fin... Parce qu'on a été très bons, ils ont été poussés à jouer à leur maximum sur un teamfight, on a gagné. Meurs, s'il te plaît, 7. Bard, ton perso, c'est vraiment un perso de con, faut que je te le dise. T'as un Bard qui va redescendre sur toi tout de suite, j'arrive. Ah, je voulais kiffer deux. Pas d'Herald. Tu fais l'Herald, c'est bon? Tu need help ou pas? Ouais, je veux bien. C'est Tréton le Bard. En vrai, si Robebou il a fini de faire ses... Non, mais après, le Z... Attends, en vrai, le Z... Il est fort? Non, ça peut pas être Robebou, c'est impossible. Non, ils sont en train de faire des calls VC, là, donc... Je t'en doute, peut-être ils ont fini, tu sais. Et du coup, là, ils ont commencé à jouer. Ils sont déjà gold. C'est pas si rapide. Ok. Quelle est cette douce musique? On a le... C'est pas ça leur pseudo, en plus.
Le... Ouais, je vais la... le top, hein. Vas-y, pêche, l'envoyer. Ce qu'on a dans les oreilles, les gars, c'est la Lofi Anime Playlist. Avec une image de... Ah. Mais est-ce que j'ai déjà gobé les deux couilles de mes adversaires complètement? Et eux, ils ont gobé les miennes sûrement. Oh mec, je suis trop pixel en fait. Zonia était insane. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Zonia était insane. Ouais. Je vais back en vrai. Kills, malheureusement, mais... Non mais mec. J'ai un petit pour lui. Hein. Ok, et là on va où là-dessus? Il a tenté son flash quand même. Nice. Oh là, j'avais du mal à y croire à la game, mais là... 2v5. Ah. C'est bon, je le mets là au cas où elle soit là, c'est bon. On peut la tuer. Aucun problème, la team push mid, non. On se sent seul quand même un peu dans cette game, non? T'en penses quoi? Ah oui. On est d'accord, au moins. On se sent un peu seul. Est-ce que t'as déjà mis un ult Cassio à 5 personnes? Je crois que c'est arrivé une fois. 4, je crois. C'est 4, c'est arrivé 2-3 fois, c'est sûr, et j'ai les vidéos. 5, je... peut-être une fois, mais je suis pas sûr. Oui, ulti 5 personnes avec Cassio, c'est pas trop dépendant que de toi, quoi. Oui, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait des conditions, quoi. C'est du live, ouais c'est du live, en fait c'est un live de 2 heures qui tourne en boucle quoi, c'est tout le temps les mêmes musiques à peu près. C'est comme la Lofi Girl, hein, c'est pareil. Action top for wave, NTP if necessary, break. Bard, champion relou. J'ai peur qu'il soit déjà... Non, le Drake est pas pop, c'est bon. Avec Marguerite, tu peux ult 6 personnes. Ouais, avec... Avec le mode de jeu sextuplé aussi. Oh, bien joué. Merci mon bro. Oula. J'ai pas besoin. Merci mon bro. Alors, pour le kick. Bro. Merci mon bro pour le kick. Tu as été salvateur pour moi. Mec, je suis officiellement trop fort. La game, elle va clairement sur YouTube. Je vais mettre les deux games, hein. Zilean et celle-là, les deux vont sur YouTube. YouTube, me met un pouce bleu si tu trouves que je joue bien. Trop pressé d'avoir 2 vues, 0 pouce bleu. Mama. Ils ont pas tort, les amis. Ils sont en train d'aller nashor et j'aime bien leur choix. Vu que j'ai ping, vu que j'ai mute, je vois pas les pings. Bah, t'inquiète, non plus, je vois pas les pings, mais ça nous force à développer un peu la map, tu vois. Ils ont effectivement raison. Et je vois mieux la map en mutol et sans tilt qu'en lisant le chat avec des débiles qui me mettent la tête à l'envers. Hein. En vrai, c'est surtout que là je suis sur Cassio donc je peux un peu plus regarder la map que si je joue Nautilus quoi. Nice. Oh non, il me faudrait de la wave encore un tout petit peu. Pas grand chose en vrai de vrai, mon bro. Vas-y, prends. Take all, mec. Tu es un 1v9 la game donc n'hésite pas. Ah, je suis content, je joue bien là. Je pense que j'ai la bonne mentalité en solo queue. Quoi? Ah, mais ça coûte tellement plus cher que ce que je pensais. Je vais avoir de la movement speed, mec, ça va me mettre bien. Mama. Tu vas acheter des bottes, mec? Ah, trop drôle, bro. Il fait quoi, lui? Qui ça? C'est bien joué ça. Le Twitch m'a exterminé le cul par contre, mais... On peut push je pense. Tu peux régène ou pas avec tes items? Je te laisse se régène. Non, je peux la régène. Faut que je shield pour régène, j'ai pas envie de shield.
Et mid-life, parfait. En vrai, il prend trop de dégâts, mec. Il était vraiment mid-life, en vrai. Non, mais nos alliés jouent, là. Mais mec, jouer bien, ça motive les troupes, hein. Jouer bien, ça motive les troupes, hein. C'est abusé, hein. C'est abusé, mec. Go bot. Go finir, je pense. Genre, il y a... Si on est que deux, non, je pense qu'on peut pas, mais ça se tente. Pas sur le chip par 7, tout ça. Quoi? Non, c'est ridicule que je sois mort. Tu vas pas le dead en plus. Non, c'est ridicule que je sois mort, mec, c'est tout. On aurait dû prendre deux énigmes. Ouais, on aurait dû, du coup, effectivement. C'est my bad. C'était high risk, high reward encore. Je pensais vraiment qu'on pouvait, mais le Z là qui me tue, je trouve ça un peu cringe. Après, c'est mon avis. Hop, je vais dire my bad dans le chat. Ton truc, t'as 2 HP, ça change rien. Oh, avec Cassio, si, ça change un peu quand même. T'as 2 HP, tu repars assez vite full life, quoi. Ok. I will side the lane, bot. So we have next Drake. Ce qui serait bien, c'est vous. Ah, mais après, c'est compliqué de dire ça parce que il faudrait aussi que quelqu'un aille top, mais on n'a pas de TP up sur Akshan. Je trouve que Z joue réellement bien. Je trouve que Z vient de int. Et ça fait plaisir. Passe niveau 16. All bot. Ce serait bien que Akshan. Au pire, s'il fait un kill, ça me va, mais je préférerais sinon qu'il vienne avec nous. Tu fais trop mal son kill. Tu fais trop mal le Akshan si vous êtes merde. Il est trop chaud, c'est tout. C'est parce qu'il le joue top, ça. Et qu'il le first time surtout. Il est nul ou fort? Il peut pas prendre les os. Ok. Je sais pas combien il survit, mais... Mais oui, il est quand même nul. Il est tellement naze. Mais GG. Bah, il déserve peut-être pas les LP, mais il suffit qu'il se concentre 10 minutes et c'est bon. Go hand, par contre. Bâtiment. La citadelle adverse est attaquée. GG. Je suis extrêmement fier de mon niveau, mec. Ouais, je te le dis. Parce que je t'ai annoncé tout à l'heure que je voulais tryhard quand on a lancé la première solo queue. Je t'ai dit j'ai vraiment envie de tryhard. C'était vraiment pas une blague. Je veux 4 honneurs. Pitié. Pitié. Je veux un honneur là. Pitié, ça va. 2. Allez, on a dit 4. Allez, pitié. C'est long. Ouais, c'était vraiment la mid lane la différence. Hein. Et quand je me dis que le Z jouait vraiment bien comme ça et que malgré tout on s'en sort, ça fait vraiment plaisir. Parce que le Z, 14-8-5, il a décalé et tout. Moi je suis heureux. Tu vas passer plate là, je vais passer hors 1 si on refait une victoire, ouais. J'ai une demande d'amis de la part de qui? Itur Shuriken. C'est qui? C'est le Z? Est-ce qu'il va t'insulter là? Je sais pas, je vais dire yeah bro. Je vais dire yes. I muted all. Sri, if you asked something. T'étais clean, gros. Oh bébé! Bébé, je t'aime! Je viens de dire en stream que j'étais fier d'avoir bien joué parce que tu es fort toute la game. La game, je disais, il est clean ce bâtard. Mama, mon cœur s'emballe.
Donne-lui le stream, mais ouais, mais là c'est incroyable. Mais c'est quoi les gens gentils sur LOL par contre? Mais c'est très très grave. C'est très très grave, je suis choqué, c'est quoi ton stream? Tu veux duo? Je suis en duo avec le lit. C'est gentil. Mais attends, mais gros, attends, clic droit, ajouter une note. Un super Z. C'est trop drôle, mec. Je suis mort de rire. C'est... Mais ça n'arrive jamais, ce genre de finition. Mais c'est incroyable, je suis mon cœur et... Mon cœur est... C'est pour m'insulter ma daronne, non? Mais oui, normalement, t'ajoutes et tu fais « Alors, gros connard, viens 1v1 arabe », tu vois, là, c'est vraiment, mais... Je suis choqué. En plus, au début, j'étais pas prêt, j'étais vraiment défensif, j'étais en mode « Yes !» Il est trop mignon, gros. Il est trop mignon, mais ça veut dire que cette fin, ça sera aussi sur la vidéo YouTube. Putain, c'est incroyable, je suis choqué. Après, en vrai de vrai, des deux côtés, la game était trop cool. Genre, lui, mid lane, et à chaque fois qu'il a eu des petits kills solo à faire, il les a fait, il a décalé pour prendre les free kills au bot. Il s'est mis bien tout le long, et à la fin, genre, non, c'est vraiment chichi. Ah, je. Nom de la vidéo YouTube. Nom de la vidéo YouTube, l'adversaire m'ajoute en ami. Ah ouais, vas-y, Nordis, aide-moi à trouver le nom de la vidéo YouTube. Je suis fan. Je viens de reprendre LOL, ah bah, on se demande pourquoi t'arrêtes, clairement. OMG, la game, l'adversaire m'ajoute. Ouais, c'est exactement ça. La suite va vous étonner. Je peux faire du clickbait sur 40